bien tout le monde, c'est Samuel Lejeune, on se retrouve pour un nouvel épisode de Shovel Knight. Et la dernière fois, nous avions fait, pas cette terre-là, nous avions fait le Jardin des Liches et nous avions vaincu Sceptre Knight. Maintenant, on va aller voir Forêt de Phasage. On va aller voir... Non, je me trompe de bouton, voilà. On va aller voir ce qui se passe. Villageois. Corne guidouille, si seulement je pouvais phaser... Je pourrais traverser et récolter des tonnes de trésors. Effectivement, on peut pas passer là. Mais il parle de phaser, donc c'est peut-être un objet que j'ai. Oh, assaut spécial. D'ailleurs, c'est nouveau ça. Et j'ai pas regardé. Alors, charge flash, aspire aux pièces. Maintenez et attaquez. Maintenez, attaquez et relâchez pour absorber un trésor à proximité. C'est sympa ça. Maintenez, attaquez et relâchez. Maintenez, attaquez, pardon, et relâchez pour charger à travers le danger sans subir de dégâts. Ah, là, c'est plutôt pas mal. Et la spéciale, il y a quoi? Pote fonceuse, pelle tordue. Votre plante pelle descend désormais en diagonale. Ah! Appuyez deux fois dans la direction pour sprinter. Ok, je vais prendre ça, on va voir. Effectivement. Est-ce que ça me fait sauter plus loin? Alors attendez. Hop. Ouais. Clairement, ça me fait sauter plus loin. Clairement. Et du coup, si je reste appuyé sur attaquer... Ah. Excellent. On découvre des trucs à chaque fois. Et du coup, ouais, ma pelle peut aller en diagonale aussi maintenant, si je change le truc. Ok, bonne chose à savoir. Par contre, je crois que j'ai un truc de phasage, c'est ça, ouais. Collier de phasage. Échapper à tout danger brièvement. On va le prendre, puis on va voir. Donc... Hop. Donc là, je peux passer. Oh, excellent. Excellent. Ce jeu m'étonnera de jour en jour. Alors là, il n'y a rien. Alors on avance. Ouais, bah en gros, à mon avis, je vais devoir faire tout ce jeu, enfin, tout ce passage comme ça. Oh, comment j'ai couru dans le vide. D'accord, le fait de courir, c'est peut-être pas une bonne chose. Le fait de courir, je vais peut-être le retirer pour l'instant. Hein. Votre fonceuse va prendre la pelle tordue. Ok. Ah, par contre, non, il va que en diagonale. Ah, donc en gros c'est bien, mais il y a des contraintes quand même. Je vais prendre rien pour l'instant. Ok, parce que je peux plus faire ça en fait. Bon allez, on y va. On va terminer ce niveau. On va récupérer d'ailleurs nos sous, hein. Pas déconner. Voilà. Toi tu bouges. Et j'aimerais récupérer ce qu'il y a là. Voilà. Bon, j'avais pas besoin de faire ça. Alors attention. Ok. J'utilise beaucoup de magie pour rien, mais c'est pas grave. Nice. Oh la vache. Je crois qu'à mon avis, phasage aussi, il est prévu là. Hein. Tac. Ok. Là où on a un trésor. Bam. Waouh. Doucement. Parce que les pics, ça one shot. Hein. Oh. C'était limite. Il y en a beaucoup là. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais que ça one shot. C'est pas, on va le refaire. Ça va que les trésors je peux les récupérer à chaque fois. Hein. Sauf si là, je me plante sur les pics là, les trésors que j'ai perdus vont disparaître et je vais perdre encore plus d'or. J'ai pu voir aussi que sur mon fichier de sauvegarde, mon fichier de sauvegarde était vide. Vu qu'on le fait avec l'amiibo, je récupère pas les objets, vu que j'en ai pas forcément besoin. Mais je pense qu'on va quand même essayer de les prendre les objets. Même si pour le coup ça ne servirait pas à grand chose dans la partie amiibo. Je les prendrai hors caméra, donc en gros la seule chose que ça fera c'est que ça va réduire... Hop, je me resserre encore. C'est que ça va juste réduire l'or que j'ai. Lâche-toi. Donc là j'ai pu voir que le phasage je pouvais l'utiliser plusieurs fois d'affilée. Ok, dégage-toi. Ok, viens là. Bien. Oh, niveau 18, c'est bon ça. Voilà, voilà. On avance, on avance. J'ai pas vu ce que j'avais comme amélioration, vu qu'il y avait pas mal de bestioles. Ok. Nice. Ah bah c'est la fin. Ok. Ouh, une partition. C'est bon ça. Ok. Non, pas tout de suite. Alors du coup, ça c'est fait. Maintenant, on va aller voir là-haut qu'est-ce qu'il y a. Ouh.
je peux les dégommer ou pas? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, des poissons pommes. Un roi carpe pomme. Ah ouais, une carpe en forme de pomme. Pourquoi pas? Qui m'a réveillé? Mortel, as-tu besoin d'aide? Aidez-moi. Je perçois un calice carpe pomme. Je peux le remplir à 10 choirs magiques. Ça se prononce Icor. Choisis ton Icor judicieusement. Ah, c'est des potions donc. Alors, Icor de renouveau. Restaure toute la santé et toute la vie. C'est pareil, non? C'est pas grave. Devenez invincible pendant 10 secondes. Absorbez les trésors proches pendant 60 secondes. Ça, c'est plutôt intéressant, ça. Je veux ça. Oui. Mes fidèles sujets, un nouvel invité nous a rejoint. Que commence la cérémonie? Oh, c'est beau. Et je crois que c'était gratuit en plus, hein. Oh, c'est classe, hein. Quel gros carpom. Bon, tu me l'as rempli mon truc là? Je peux rien faire à part bouger comme ça, hein, mes jambes. Oh, y a tellement de carpom là. C'est fini là ou bien? C'est long. Bon, c'est sympa, mais c'est long. Oh! Ça y est! Porte-toi bien, chevalier, à l'appel. Repasse me voir si tu as encore besoin de mon aide. D'accord. Donc avec lui, je vais pouvoir récupérer des potions, apparemment. Donc c'est vraiment sympa. Du coup, on va commencer par Plague Knight. Ouais, ça me semble pas trop mal. Déjà, on va regarder un peu plus loin qu'est-ce qu'il y a. Ouais, de toute façon, là, c'est verrouillé par Plague Knight. On peut se faire Maul Knight, mais Maul Knight, c'est beaucoup plus loin. Donc, on va d'abord débloquer ça. Ah, il y a aussi ça aussi. Ça, je le ferai pour le prochain épisode, je pense. Ok, c'est parti. C'est l'heure de l'appel. Petite musique sympa. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Non. Wow! Ça s'active quand on met le pied dessus. Par contre, je crois que ça m'enlève un point de vie à chaque fois. Ça pique. Voilà. Yep. Ouh, ça se casse facilement, ça. Il y a une bestiole. Viens là. Oh. C'est pas terrible, ça. Alors, attends. Déjà, faut que je change ça. Ah, j'ai une nouvelle relique. D'accord. Lancez ce projectile pour trancher les ennemis proches. On va le tester, tiens. Hein, sympa. Ok, je vois le genre. Donc là on a notre... Ah non, c'est fiole de fuite. Il est là notre calice. Notre ichoir de renouveau. Et ça c'est pour exploser tous les ennemis aux alentours. Mais ça coûte cher. Je vais garder ça parce que ça c'est quand même pratique pour se déplacer. Tac, ok. Alors qu'est-ce qu'il veut ça? Dégage. Oh, mais dégage. Mais... Ah, mauvais quoi. Oh, ça explose. Il y a des bombes, on a intérêt à faire gaffe. Ça me pétait la gueule, ça. Bouge. Effectivement. Alors, je crois qu'il y a un truc, là. Ouais. Carrément un trésor. Nice. Ok, on va tout péter. Toi, tu t'en vas. Ouais, ouais. J'ai intérêt à faire gaffe. À mon avis, je vais avoir des plateformes comme ça qui vont être chiantes. Ça va passer. Wow. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ah ouais, ça fait du dégât. Purée. Ah, je peux me péter assez facilement. Ok, récupère ça. Je pète tout, hein, parce que je récupère les trésors. Oh! Oh putain. J'ai de la chance. Dégage. Oh, ça fait boum. Oh là, j'ai bientôt plus de vie, moi. Ah, c'est plus que 2 points de vie, c'est chaud. Heureusement que j'ai avec cette plateforme pour me protéger. Ok, je sais pas si je peux les péter, je les testerai après. Ouch! Ah, ça m'enlève un point de vie à chaque fois, d'accord. Ça fait super mal dans le pot. Une carotte. La carotte me donne 2 points de vie, d'accord. Bouge. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai pas encore atteint le checkpoint, mais il devrait pas être très loin, je pense. Enfin, faut pas déconner. Ok.
Ah bah tiens, voilà, en parlant de checkpoint. Alors ça va être encore un endroit où tout va péter, c'est ça? Voilà. On va rester en hauteur. J'ai l'impression qu'il y a un truc là-bas à droite. Bouge. Ah ah ah! Super. Il y a un trésor. Allons le chercher. Wow. D'accord, ouais, non mais faut que je réagisse un peu aussi. Ok, trésor. Et je vais peut-être augmenter de niveau. Ouh, ouais, sûrement. Ah non, même pas. J'ai reçu une partition. Il va être content, le mec. Ok. On va péter ça. Alors, le rat, vas-y, viens. Tiens. Ok, oh. Donne-moi de la nourriture. Yeah, un poulet qui donne toute ma vie. Ça, ça fait plaisir. Ok, on descend. Ah, niveau 19. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, ça balance des saloperies. Oh là là, oh là là. Dégage. Ok. Je vois, il y a un trésor là-haut. Contre le mur. Ça, ça fait vraiment pas rebondir. Ça, ça casse direct. Tac, tac, tac. Ok. Donne-moi ça. Ouh, joli. On a rien d'autre, on continue. Oh là, c'est très... C'est très chimique, tout ça. Paf. Tant pis, tout est tombé. Parce que moi, je vois qu'il y a des pics aussi. Et les trucs, là... Non, il y a rien. Ok. Attention au pic, là on a rien contre ces murs là. On continue. Oh. Oh la vache. Si. Ok. Nice. Toi je t'attends. Oh là là, j'ai failli me faire écraser par les pics là. C'est pas cool. Oh là là. C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Ok, toi tu viens. Passer en haut d'abord. Voilà, merci. Il y a des trucs sympas à prendre ici. Là, il y a un truc à droite. Ouais. On va aller à droite, on va voir. Ouh, beaucoup de trésors. Plaisir. Oh, oh là, je crois que c'était une statue, moi. La dernière fois qu'on avait... Oh là, putain, puis ça saute, ça. La dernière fois qu'on en avait rencontré un comme ça, c'était une statue. Hein. Ah. Mais... Ah, mais vas-y, voilà. Ah, ça c'est plus résistant. Alors t'en as qui sont pas résistants et t'en as qui sont résistants. Ouh, un gros coffre. Dans le village ou sur le terrain, je vous vendrai des trucs vraiment bien. Nananana, oui. Bah du coup je vais l'acheter. Oui. Puisque je vais faire en sorte d'avoir tous les objets quand même. Mais pour le coup, bah ça servira. Pouah, ça servira pas à grand chose. Vas-y, meurs toi. Dégage, dégage. Oh, j'ai loupé ça. Voilà, c'est bon. Beaucoup d'or en plus. Alors toi, tu bouges. Et toi, tu bouges. J'ai un trésor à prendre dans le coin là. Prends. Oh. Ouh, carotte, merci, parce que là de la santé, ça commence à être critique aussi. Il n'y a rien. Et on descend. Checkpoint, checkpoint. Non, toujours pas de checkpoint. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Ok, en tout cas j'ai de la bouffe, c'est bon ça. Mais. À sauter, voilà. Un coup, deux coups. Ok, il m'a pas touché, tant mieux. Non, c'est ça que je voulais faire. J'ai eu les deux, je regarde, mais je crois qu'il n'y a rien contre les murs. Donc on peut descendre. Ah, checkpoint, merci. Non, je veux pas le péter le checkpoint, s'il te plaît. Ne le pète pas. Bouge. Ok, maintenant toi viens là. Merci. Ouch. Ça, ça se casse. Ouais, ça se casse tout ça. Oh là là, même ça. Ça craint. Dégage, dégage. Bouge. Il tombe, c'est bien. Alors. On casse tout, vas-y, casse tout, c'est bien. Oiseau de malheur. Ok. Bon. Oh, je peux le péter, l'oiseau. Cool. Par contre, je sais pas s'il va revenir ou pas. S'il revient, ok, c'est un truc qui pop à l'infini, ça. On passe, ou partition. Comment la voir cette partition? Je crois qu'il y a un truc là-haut. Ok, non mais vas-y, vas-y, viens là. Ah, yes, je l'ai eu. Ah, mais il y a peut-être un autre passage hein, pour aller vers le haut, mais je sais pas où. À manger, ouais, c'est cool. On a de l'énergie assez souvent, ça fait plaisir. Par contre, je vois pas comment passer en haut. Oh, mais il a repop lui, t'es sérieux? Merci de dégager. Checkpoint.
Oh là. C'est pas un boss ça. Je peux les renvoyer ces trucs là. Ah, attends, je vais te calmer. Il a trouvé sa potion, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est pas beau. Pas grave. Je te donne des coups. Tiens, 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 je te parle toute la magie dans la tronche. Voilà. C'est pas grave, de la magie, j'en récupérerai après. Et checkpoint. Ouh, niveau 20, cool. Santé. J'ai de la santé en plus. Là, il y a de la magie. Santé et magie en plus. Ok. Nice, on attend. On monte, on attend. Oh là là, oh là là. Ça, c'est horrible, ça, ce truc-là. Vas-y, lâche-moi. Mais... tu veux faire quoi, là? C'est bien. Voilà, tu meurs. Merci. Ok, là, ça va être timing. Ok. On va sortir direct. Il y a un truc, là. Un trésor. Oh, la nourriture. Ah, oh, putain. Je sais pas comment tu veux essayer de l'avoir, lui. Vas-y, viens. Viens. Vas-y, viens. Viens. Voilà, je peux que l'avoir comme ça. Ok, j'ai le timing. Pas du tout. Ok, c'est bon. Je crois qu'il y a un truc là. Oh, il est revenu lui, vite. Oula. Trésor. Oh, il y a beaucoup de trésors là-dedans. Ok, c'est bon. Ouais, j'ai fait la moitié du niveau 20 déjà. Oula, fais gaffe. Y'a rien là. Ok, on y va. Non! Ah, saloperie d'échelle. Brave, allez, continue. Ça me touche pas, je peux avancer. Là, y'a rien. C'est pas grave, c'est pas. On monte. Checkpoint. Oh là, c'est quoi ça? Des cheveux Knight verts. Bouge. Ils donnent pas grand chose comme trésor, donc ils sont tout pétés. Et une pomme de points de vie. J'avoue que là, au niveau des points de vie et de la magie, je suis plutôt bien, hein. Je vois qu'ils donnent des coups de pelle vers le bas. Est-ce qu'ils peuvent attaquer aussi de la même façon que moi? En tout cas, ils sont tout pétés à vaincre. Hey! Par contre, un point de vie, ça fait mal. Hein. Enfin, un point de vie. Ça m'enlève un cœur, on va dire ça comme ça. Une boule de vie. Clac! Je t'ai vu, toi. Oh, que dalle! Ok, super. Ouais, effectivement, ils peuvent venir vers moi, là. Il va faire gaffe. Ouh là 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 là, c'est pas cool. Et puis les trésors, je crois qu'ils sont... ils vont rester en bas là. Hein. Ah, c'est pas cool du tout ça. On récupère un peu d'énergie. Bon, de toute façon, j'avais toute mon énergie. Ça sert à rien la carotte. Ah, c'est pas cool. Bon, la prochaine fois, je les laisse descendre et je les pète. Comme ça, tranquille. Vas-y, mais. Ah. T'es pas dans Mario, ils sautent pas sur les échelles. Hein. Vas-y, descends, que je te pète là, que tu viennes plus m'emmerder. Voilà. Toi aussi, descends. Bien. Bien. Voilà. Ton tour de descendre. Voilà. Eh ouais, il reste en bas les trucs. Hein. Oh, vas-y, dégage toi. Je peux pas les récupérer de là. Ah, je peux pas les récupérer. Non mais. Ah, c'est une merde absolue ce truc là-haut. J'ai plus grand chose en or maintenant. Aïe aïe aïe. Allez, dégage. Ah, du coup, ce que je vais faire, c'est ça. Oh, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Shadow Knight. Créer une ombre qui combat et suit tous vos mouvements. D'accord, ça m'intéresse pas pour l'instant. Je vais prendre le collier de phasage. Comme ça, si la bestiole avait essayé de me tirer dessus, je vais utiliser le collier de phasage et je passe. S'en fiche de cela. Ah, la collier de phasage. Dégagez les gars. Dégagez. Oh là, il y a trop de bestioles. Il y a trop de bestioles.
Ok, on se calme. Collier de phasage, tu m'auras pas. Tiens, tiens, et tiens! T'as failli tout faire tomber, ça aurait été pas cool. Ok. Faut que je pense aussi qu'avec LR je peux bouger mes objets. Hein. J'y pense pas beaucoup à ça. Checkpoint, ça a l'air d'être la fin. Il y a un truc là, ça a l'air d'être la fin. Oh, du poulet, miam. Et j'ai la magie à fond. Donc là, il faut descendre. Voyons, l'épisode aura duré un certain temps. Hein. Nye, laisse-moi tranquille. Montre-toi, Plague Knight. Tes subterfuges ne pourront pas m'arrêter. Subterfuges? Nye. Les fruits de mes recherches ne sont pas de vulgaires subterfuges. Boum! Laisse-moi te faire une petite démonstration, je t'assure. Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Ok. Oh, ok, dégage. Ah d'accord, il balance des flammes. Bon, vas-y, viens. Bam, dans ta bouche. Oh, il crée des fioles. À quoi ça va te servir, je sais pas. Bon, je l'attaque comme ça. Ça a l'air de bien marcher. Allez, oh, il disparaît. Je vais un peu à l'arrache, hein, mais ça marche très bien. Oh, il en balance de plus en plus. Oh, il y a encore de plus en plus de saloperies, là. Allez, allez. Oh, la vache. Ah oui, ça fait boum, ça. Hein. Tiens, voilà, il est mort. Alors, je me suis fait toucher plusieurs fois, mais il est mort. Et niveau 21 atteint. Creuse bombe déverrouillée. Et bien voilà. Alors est-ce qu'on va avoir le droit à un rêve ou pas? Ah pas l'air. Hein. Je me demande s'il y a un truc à débloquer pour avoir les rêves ou pas. Si ça se trouve, bah tiens, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, parce que moi je le sais pas et j'irai pas vérifier, je vous demande à vous directement. Est-ce qu'il faut terminer un niveau sans perdre une vie pour avoir le rêve à la fin ou pas? C'est possible, hein? Je vous le demande, savoir si c'est ça. Oh, il y a un truc dans le chemin. Ah, je vais être obligé de me le faire. Tant pis, on se le fait, je voulais aller voir le... Oh là! Raze? Au nord, après Firlande, à l'ouest, au carrefour. Oh bon sang, j'ai dû le louper. Bien le bonjour, voyageur. Salut! Peut-être que tu pourras m'aider. Je crois que je me suis perdu. J'ai essayé de... Hé, hey, là, une minute. Tu es le chevalier à l'appel. En effet, je suis... Le chevalier à l'appel qui... terrorise le village. Je t'assure, jamais je n'ai... Tu comptes te servir de cette pelle pour entrer... pour enterrer des inconnus? Ton règne de terreur s'achève ici. Ah, c'est carrément un boss. What? D'accord. Oh, si tu veux, récupère ton truc. Hey, hey, hey. Dégage, dégage. Ah. Voilà, bouge. Hey, tu veux faire quoi là? Tiens. Tiens. Ah, mais. Ah. Tiens, bouge. Oh, des flammes. Pas cool ça. Je les explose ces flammes, c'est pas un problème avec ma pelle. Ma superbe pelle. Tiens, ah, magie à toi. Oh là, oh là, oh là. Bon, de toute façon, il est bientôt mort, là. Plus qu'un coup et c'est bon. Voilà. Bon, boss, vous aurez eu le droit à deux boss pour cet épisode, c'est cool. Et niveau 22 atteint, canne à pêche déverrouillée. Bah voilà, la canne à pêche qu'on aurait pu avoir dès le début du jeu, maintenant, on peut l'avoir que maintenant. Enfin bon, bref. Balance-moi tout ce que t'as, fripouille. Vas-y, terrasse-moi. Je ne suis pas une fripouille. Nous luttons contre un ennemi commun. Nous? Ah bon? Bah fallait le dire plus tôt. Waouh, je me sens vraiment idiot maintenant. Ce n'est pas grave, l'ami. Les chevaliers sont les plus forts lorsqu'ils travaillent ensemble. Ouais, le code de la chevalerie. Premier vœu, toujours aider une personne dans le besoin. Mets-leur la pâtée, Cheval Knight. Ouh, merci. Disons, le barde, il va être content, là, parce que je vais lui en apporter des partitions. Ok, bah c'est cool, du coup. Je pensais que c'était un ennemi, mais au final, non. On s'est quand même combattu contre lui, mais bon. Au passage, je pense que j'avais là aussi la potion. Hein. Bref, on retourne au village. Bonjour le barde. Eh oui, j'ai 4 partitions pour lui. Et niveau 23 atteint.
range vachement bien dans les niveaux. Hein. Ok, donc pour ce qui est de la vie et tout, je sais pas, je verrai plus tard. Par contre, je sais que j'avais des objets ici que je pouvais prendre, que du coup j'avais pas acheté parce que justement, je vais le prendre, oui. Donc il y a deux calices hein, dans le jeu. J'en ai qu'un pour l'instant, grâce à l'amiibo. Alors là, ouais, je peux acheter des trucs, donc ça, je vais te l'acheter. Oui. Voilà. Allez. Ça, je vais te l'acheter aussi. Bon, comme je vous l'ai dit, ça sert à rien vu que j'ai l'amiibo, mais... c'est juste histoire de voir sur mon fichier de sauvegarde que j'ai tout, quoi. C'est juste pour ça. Puis au niveau de la thune, franchement, on est plutôt bien. Et je crois qu'il y a un niveau qu'il va falloir que je refasse parce que... Il y a encore un trésor, là. Oh non, la partie on l'a déjà pris. Y a un niveau qu'il va falloir que je refasse parce que... bah, il y avait Chester, un ou deux niveaux, je sais plus. Il y avait Chester et j'ai pas pris son trésor parce que je me suis dit que ça servait à rien. Mais c'est après, justement, quand j'ai vu qu'il y avait le fichier de sauvegarde qui n'affichait rien du tout, je me suis dit, oh, c'est plus sympa si on les avait, quoi. Ok. Et là, oui, je vais sauvegarder mon amiibo. Clac. Yeah. Voilà. Bon, bien du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode de Shovel Knight. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous le savez, vous qui avez peut-être joué à Shovel Knight. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà terminé plusieurs fois. S'il faut terminer un niveau sans se faire toucher, enfin, sans se faire toucher, si, mais sans mourir une seule fois, pour peut-être débloquer les rêves à la fin des niveaux, ou c'est totalement aléatoire, ou alors c'est pas aléatoire, mais c'est un niveau spécifique te permet d'avoir le rêve avec. Avec Shield Knight, je ne sais pas. Voilà, je vous pose la question, répondez-y si vous le savez. Moi, je vous laisse, portez-vous bien les amis, à bientôt. Bye.